Ouais, on va péter des bichons, mon colonel, même si on n'est pas à l'armée. Bon, bref, sur ce, bonjour à tous, c'est Monsieur Madness02. Et donc, aujourd'hui, on est ici, comme vous l'avez vu, pour le défi troll numéro 74. Et vu le jeu qui a lieu devant nous, eh ben, ça sera sur Power Rangers Lightspeed Rescue. Un jeu sorti sur PlayStation en 2000 et aussi qui a connu une version N64. Et c'est un jeu développé par Climax et édité par THQ. Et c'est un beat'em all totalement pourri. Donc voilà. Et donc pour ce défi, vu qu'on va jouer en facile, parce que bon, on n'est pas masochiste à ce point, hein, non. Eh ben, l'objectif que je vais devoir accomplir, ça va être simple. Il va falloir que je termine le premier niveau de ces jeux de merde, évidemment, sans avoir de game over. Donc voilà. Donc là, comme vous voyez, là, on a le choix entre plusieurs rangers différents. Moi, je prends le rouge parce que bon, on garde l'aspect normal, parce que le ranger rouge, c'est de base le chef du groupe. Et les autres, ils suivent ses ordres. Ce qui est souvent pas le cas dans les trucs pour Ranger. Donc voilà. Des rapports font état de combat dans le centre de Mariner Bay. Ouais, là on voit, c'est le bordel. On admire déjà les magnifiques graphismes de la PlayStation, évidemment. La tête, évidemment, des personnages. Tellement mal fait, hein. Une fois que tu seras arrivé au bâtiment, nous pourrons te localiser via tes morpheurs éclairs. Ah ouais, c'est bien. Trouve un moyen de pénétrer dans le bâtiment et sauve tous les otages que tu rencontreras dans les bureaux. Ouais, ouais, il faudra déjà qu'ils ne meurent pas, déjà les otages, ce sera bien. Il m'appartient de veiller à ce que tu gardes toujours une longueur d'avance sur les monstres de la reine Banshee. Ouais, ouais. La reine Banshee, rien, de toute façon, je la connais pas. Bon, bref, on commence dans le jeu et comme on voit, c'est moche. Enfin. Quand on parle de mocheté, je parle du sens que, ouais, ouais, c'est bien, ferme ta gueule, je veux parler, s'il te plaît. Alors, donc, que peut-on commencer? Bon, déjà, niveau graphisme, pour un jeu sorti en 2000, ça passe un petit peu limite. Et déjà, on peut déjà remarquer le gros défaut du jeu, c'est évidemment la maniabilité. Bon, après, les combos... Ça réagit plutôt bien, ça passe encore, les coups de poing et coups de pied, ça parle, ça marche à peu près. Mais le gros problème, c'est le bouton de saut. Aïe, par contre, je me suis pris un coup de pied dans la gueule, là. Tiens, je te le renvoie direct, toi, saleté de monstre qui ressemble à rien. Oui, oui, c'est bien. Donc, comme je le disais, c'est que le bouton de saut, des fois, il marche une fois sur 30, en fait. Oui, de rien, mec. C'est ça que je comprends pas, là, je vais, voilà, ok, j'ai réussi à monter, c'est quoi ce bug? Putain, là, vous voyez, là, j'ai pourtant, je maintiens, ou je bourrine le bouton pour essayer de sauter, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et c'est pas un problème de ma manette, non, parce que vu que ma manette, je l'ai changée, il y a de cela, pas très longtemps. Elle marche très très bien. C'est juste que les contrôles du jeu qui sont totalement mal foutus, quoi. Déjà que tu en chies comme un bœuf pour pouvoir ne serait-ce que sauter. Putain. Alors que le bouton de saut, c'est le truc indispensable dans tout jeu vidéo, Que ce soit les jeux de plateforme, les jeux de beat'em all, les bastons, tout. Tout est très important pour le saut. Mais là, c'est complètement foiré, là, j'ai envie de dire. Ouais, blablabla. Bon, après, niveau scénario, ça reprend quasiment le même scénario du film. De la série Power Rangers Sauvetage Éclair. Parce que, c'est vrai qu'il y a beaucoup. C'est vrai qu'à l'époque, je regardais quand même Power Rangers quand j'étais petit.
Mais bon, c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps qui passe, je me dis pourquoi je regarde ça. Quand tu vois genre des mecs en train de faire des pirouettes comme ça, habillés en bioman et qu'ils affrontent des clowns déguisés, c'est vrai que ça fait un peu bizarre. De toute façon, en général, les épisodes des Power Rangers, c'est du recyclage à volonté, quoi. Genre, on enchaîne un combat, des combats, voilà, face à un monstre. D'abord, ça part à une défaite, après, on le retrouve, on le combat. Et après, les Power Rangers arrivent à le battre. Et après, par je ne sais quelle raison, il devient géant. Les Rangers font venir le Megazord, hop, il l'achève, et puis voilà. Et ça, c'est à peu près 75% des épisodes qui sortent. Et je comprends pas pourquoi le Ranger Rouge n'arrive même pas à sauter par-dessus une table, quoi, sans déconner. Je sais pas, c'est une table, hein. Tu peux quand même monter dessus, hein. La table, elle fait à peine la hauteur de tes genoux, quoi. Alors, me dis pas que tu sais même pas sauter, hein, parce que franchement, sans déconner, déjà quand on voit un peu la qualité des roulades, quoi, putain. Voilà. Et on descend l'ascenseur. Oh purée, on voit les textures qui se barrent. Vive la PlayStation, hein. On se croit revenu dans Virus, quoi, en voyant les textures qui se barrent sans aucune raison. Ça se voit que Climax, eux, ils ont même pas eu le temps de finir leur jeu. Hein. Bon, après, ça reste quand même... Ça répond plutôt bien, quoi, au niveau des contrôles. Mais le seul défaut, ça reste le bouton saut, quoi. Le bouton de saut auquel ça marche une fois sur 30. Et ça, c'est un peu casse-couille. Et tiens, bouffe ça dans ta gueule. Continuer d'avancer parce qu'il le faut bien. Et putain, arrêtez de me faire des sauts de l'ange. C'est chiant. Et tiens, dégage. Voilà. Alors. Ah putain, à chaque fois, je sais pas pourquoi les aiguilles font toujours le même coup. Allez, le premier coup, on fait un coup de pied sauté et après, on fait que dalle. Enfin, on enchaîne coup de poing et coup de pied normal. Là, je sais que les joyaux à récupérer, ça permet d'augmenter une jauge. Et là, on affronte déjà un boss. Une espèce de gargouille bizarre qui vient de m'empêcher de faire mon attaque spéciale. Ça l'enfoiré. Je lui virais que ça. Bon, en même temps, il m'a porté mon coup sans... Un coup sans que j'aie le temps de balancer mon rayon laser, quoi. Aïe. Heureusement qu'il ne fait pas très mal, quoi. Ah, par contre, là, il casse les pieds. Ok, c'est tout. C'était le boss. Est-ce que c'est le boss du niveau? Après, j'en sais rien, je pense pas, non, parce que vu que. Il reste encore. Le niveau n'est pas fini. Par contre, je comprends pas pourquoi on ne peut pas monter sur les tables. Je sais pourtant que dans la vie réelle, faut pas être debout sur une table, hein, parce que bon, hein, c'est mal poli. Mais bon, hein, quand tu es un super-héros, hein, t'as bien le droit de faire ce que tu veux, quoi. Hein, de crapahuter un peu partout. Et même Link, lui, dans certains jeux Zelda, il peut monter sur les tables. Je comprends pas pourquoi tu peux pas, toi. Ah, putain! Dégage! Et à chaque fois, quand on entend le Ranger qui dit toujours oui, 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 je pense que le mec, c'est un fan de oui, oui. Il manque plus que le bonnet bleu plus la coccinelle qui va avec, et puis après, avec la queue de renard sur l'antenne, et là, franchement, ce sera parfait. Enfin, il faudra déjà qu'il lâche. Ouais, pas de panique, je suis là. Bon. Bravo, Ranger. Tous les otages ont pu quitter le bâtiment sains et saufs. Ouais, ouais, merci, monsieur le capitaine Mitchell. Les capteurs ont détecté une puissante source magique. Bon, je tiens à préciser que je connais même pas la série des
Lightning Speed. Ouais, Lightning Rescue. Hein. De toute façon, de base, je me rappelle même plus de certaines saisons différentes des Power Rangers, parce que ça change tellement, c'est ultra répétitif. Par contre, on peut m'expliquer le bug, hein, monsieur. Hein. Attends. Oui, j'ai de la place pour passer. Et pourquoi vous avez foutu un fucking mur invisible pour m'empêcher d'aller récupérer la vie? Hein. Est-ce qu'on peut m'expliquer, hein, pourquoi? Qu'est-ce qui vous a pris de faire ça? Et pourquoi est-ce qu'on voit les décors à travers comme ça? Ouais, franchement, là, je comprends pas. Je comprends pas la logique des développeurs. Après, qu'est-ce qu'on peut parler d'autre? Ah ouais, la musique, c'est barbant. Enfin, barbant, moi je trouve que là, la musique du boss, là, ça va déjà bien mieux. Là, là on sent qu'il y a de la pêche, là, on est en pleine baston. Hein. Bon, par contre, les musiques d'ambiance quand on fait le niveau de base, c'est le vide. Mis à part qu'on entend à chaque fois, à chaque temps de chargement, le même fucking thème des Power Rangers qui te résonne dans le cerveau, qu'à tel point tu vas l'entendre même en dormant la nuit. C'est... Ça a quoi t'hypnotiser, ce truc. Et encore, hein, moi, j'ai de quoi me protéger contre les trucs qui t'hypnotisent. Putain, par contre, t'évites de me suivre, salope. Il se bouffe le laser dans la gueule. Par contre, bizarrement, ouais, ça me vire toute ma barre. Je sais pas pourquoi. Enfin, ça porte qu'un coup. Sauf si on me la vide complètement. Allez, viens là, toi. Où es-tu? Et le pire, c'est qu'elle me suit pas, quoi. Elle reste plantée là. Putain, par contre, elle fait bien plus mal. Ah bah voilà, ça y est, je l'ai tué. Bah je pense que là, c'est la fin du niveau, à mon avis, hein, je pense. Mission accomplie. Ouais, mission accomplie. Ouais, youpi, je suis content. Otage sauvé. Allez, j'en ai sauvé 8. Et j'ai vaincu 33 monstres. De toute façon, t'es obligé de les tuer pour pouvoir avancer. On va continuer, je veux pas sauvegarder cette merde parce que sinon elle va polluer bah, les sauvegardes de mes jeux PlayStation que j'ai. Bon, enfin bref, de toute façon dans tous les cas, le défi troll est réussi. Et donc là, on attaque le niveau 2. Le travail d'équipe éclair. Nous avons fini d'analyser le cristal que tu as trouvé après. Ouais, mais de toute façon, tout ce que vous dites, de toute façon, j'en aurais strictement rien à faire. De toute façon, là, je pense pas que je vais faire le deuxième niveau en entier parce que je commence déjà à en avoir marre de ce jeu, voyez-vous. Ça, le truc, c'est que pour un beat'em all comme ça, bon, ça aurait pu marcher s'il y avait quelques soucis à régler, quoi. Genre, par exemple, bah, le bouton de saut, quoi. Ça, c'est le truc qu'ils auraient dû penser à corriger dans ce jeu. Et aussi, éviter que, bah, notre personnage, quand il porte ses coups, quand il attaque, bah, il est genre un balai dans le cul, hein. Mais bon, hein, on est comme ça, c'est comme ça. De toute façon, la presse n'a pas été tendre avec ce jeu. Et je peux que les plaindre, les pauvres, parce que c'est vrai que quand on joue à ce jeu, c'est le vide intersidéral, là. Donc voilà. Bon, bref, bah, on va aller achever cette vidéo tout de suite, parce qu'il le faut bien. En tout cas, j'espère que pour vous, bah, ce défi, bah, ce défi troll vous aura plu. Et puis, bah, si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas bah, à le faire savoir et à le faire partager bah, aux autres, comme d'habitude. Et puis, bah, si vous avez bah, quelques défis, bah, défis troll à proposer, ah, bah, n'hésitez pas, vous pouvez me le dire dans les commentaires ou bien via les réseaux sociaux, comme d'habitude.
Et puis enfin, bah, abonnez-vous à ma chaîne pour suivre d'autres vidéos. Et puis aussi les réseaux sociaux pour si jamais vous voulez discuter avec moi sur Twitter, DeviantArt, Steam et tout. Comme d'habitude, les liens sont dans les descriptions de la vidéo. Voilà. Bon. C'est avec ce gros débile en collant rouge qui sautille comme un teubé que je vous dis à tous à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut à tous, ciao, bye bye.